qui m'emmène ici sur Neverwinter et sur l'événement. L'ange chinois, apparemment. Oui, ok, il y a eu des problèmes avec au tout début quand cet événement a été fait. C'était vis-à-vis, je vais directement vous montrer, comme ça vous le saviez, vis-à-vis des moteurs de charger le truc d'artifice. Et ça, c'était plus de 2 minutes. Plus de 2 minutes d'attente. Qui est... Ah bah, je les ai pas parce que je n'ai pas pris la quête. Mais en réalité, il y en a un là, un là-bas. Ah bah voilà, tu vois. Il apparaît maintenant. Voilà, c'est ça. Et so, maintenant, ils ont fait une petite mise à jour ou je sais pas quoi là. Pour faire en sorte que ça dure moins longtemps. Alors, ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est une bonne chose. Moi, j'aime bien. J'aime bien le côté, tu vois, le feu d'artifice et tout. C'est chouette, quoi. J'aime bien. Ça... J'aime bien ce petit côté-là. Autre question que je vois assez souvent dans le chat de Neverwinter, c'est quand tu vas chez lui. Attends. On va faire le truc d'enveloppe. Voilà, tu vas trouver le combattant, trouver l'acheteur, le sublimateur et le donjon. Faut savoir qu'il y en a un qui se trouve pas du tout dans près de la zone. Normalement, il y avait une zone bleue qui apparaît. Maintenant, il apparaît plus. Bon. Elle est là. Juste où, tout près du truc PVP qui est juste ici. LOL de PVP, qui est déjà une bonne chose. L'autre, elle se trouve ici, côté des sceaux. Qui, bien sûr, les sceaux égale donjon. Pensez à ça. Les gens, comme j'ai dit, je vois beaucoup de gens qui le marquent dans le chat. Depuis que ça est arrivé. Voilà. L'acheteur, bien sûr, c'est là, ici. Moi, au début, je pensais que l'acheteur se trouvait près justement où on était. Mais en réalité, non, ça veut dire l'acheteur, ça veut dire avec l'hôtel de vente. Voilà. Et le sublimateur. Bon, moi je l'appelle le sublimateur, mais sublimation. Il est juste ici à côté de la toute première fois où on y va pour sublimer. Il est juste là. Or, et c'est vrai qu'au début j'ai du mal à le comprendre. Lui. Franchement, j'ai cherché partout et tout ça. Faut savoir qu'il y a plusieurs trucs, plusieurs quêtes à faire dans celui-ci. C'est le seul, celui-là que j'aime le plus, et je trouve ça génial que Neverwinter l'a mis dans le jeu, parce que c'est vrai, moi j'ai eu le coup justement dans mon live que j'ai fait pour Nouvel An, c'est vis-à-vis de nos chiens. Il y a une quête que j'adore et je trouve que ça touche les gens, surtout les jeunes, qui disent « ouais, on va faire des feux d'artifice parce que c'est amusant et tout ». Les chiens ont peur. Et donc, il y a une quête, il y a un truc dedans, il y a une mini-quête à faire pour rassurer les chiens. Et je trouve ça génial. Moi, je dis chapeau pour ça, parce que les gens ne se rendent pas compte que les animaux ont très peur. Et moi, pendant le Nouvel An, mon chien a eu très très peur. Alors, voilà, tu vois, voilà, ils sont ici. Ils ont fait le mise à jour, un mini mise à jour comme ça pour rectifier le bug. Et en fait, tu ne le sentais pas, tu devais juste te déconnecter, te reconnecter, et voilà, c'était fait. Ce que j'ai pas compris pourquoi c'était pas fait depuis le début, mais bon, j'ai vraiment l'impression que deux fois Neverwinter fait exprès. Mais bon, j'ai même fait un. Non. J'ai même fait un screenshot de moi qui est en train d'attendre. J'étais en train de m'asseoir et je l'ai mis sur Twitter. Mais non, c'est vrai que pour ça c'est problématique. C'était catastrophe le premier soir. Bon, voilà. Les autres, je vais pas le faire parce que c'est assez simple. Toujours au début, c'est pas évident parce qu'il faut les chercher et tout, mais après c'est assez simple. Avec les chiens, ça j'ai déjà vu que les gens dans le chat disaient pour les chiens que où sont les chiens, on les trouve pas. En réalité, on les entend. On entend les chiens. Hein? Ben, je viens de le faire tout ça. Ah non, je dois... Oui, j'oublie à chaque fois. Il faut regarder le feu d'artifice, en fait. Voilà, on se met là. On a une petite cinématique assez agréable. Voilà, le petit cinématique. En même temps, moi, je prends mon café. Ça, c'est chouette. Franchement, c'est vite, c'est facile. Ça, c'est chouette. Lui, je suis pas d'accord parce qu'il faut l'acheter avec des aînes. Mais bon, ça c'est mon point de vue, hein.
Garder un garde du corps. Fais un offre. En fait, tu sais pas faire d'offre. Voilà. Ok. Bon, bah. Je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Par contre, j'ai pas vu ses stats. Chance augmente chaque fois que vous subissez des dégâts. Ouais. Pas mon truc. J'ai vu que... Ah oui, il y avait un truc avec le VIP aussi. Qu'il y avait, normalement, il y avait, devait voir un promo sur le VIP le premier soir. Il n'y en avait pas. Moi, personnellement, je trouve que 50% aurait été plus intéressant que 20%. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Bon, est-ce que j'ai pris des quêtes sans vouloir prendre des quêtes? C'est pas grave. Bon. Ici. Les marchandises, comme toujours. Moi, ce que je veux, c'est le petit marcassin. Point barre, il est mignon, il est minouche, je le veux. Ses stats, je m'en fous, je le veux. Voilà. Le sanglier, nouvel an, franchement... Non. 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 Les autres, c'est juste des trucs à bouffer, c'est tout. Ah oui, quand vous faites la quête des chiens, vous recevez... Ah bah, voilà. Je n'ai même pas fait gaffe à l'heure. On reçoit... il est où? Il est où? Bah, en même temps, on va ouvrir. Il est où? Je l'ai pas utilisé, au moins. Ah bah voilà, je sais pas où il est. Ah! On recevait un petit truc avec des animaux. Ah, voilà, 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 voilà. On reçoit ça. Hein, apprenez à caresser les petits animaux. C'est une icône pet, mais j'ai pas... Je l'ai pas... Hein. Je l'ai pas utilisé pour le moment. Parce que je sais pas si ça reste ou si ça part. Alors j'ai pas envie de l'utiliser tout de suite. On va ouvrir ça. Même si j'ai que dalle. Voilà, en fait c'est tout sur l'événement. Il n'y a pas de donjon. Il n'y a pas de skarmouche. Voilà. En fait. Il n'y a pas grand chose à dire en fait sur celui-ci, je trouve. Comme j'ai dit, là, je suis pas d'accord que tu dois l'acheter avec des zen. Voilà, en fait. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un petit événement assez agréable, assez chouette. Passe le temps, n'importe quel niveau peut le faire parce que t'es pas obligé de combattre. C'est tout, quoi. C'est agréable. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris. Ah, bien sûr, parce que... Ils le mettent en anglais. Ah, mais bon. Non, mais... Non. Non. Ah bah, je peux pas le défiler. Ah. Je pouvais le faire défiler. Pour voir les récompenses. Non. Neverwinter, s'il te plaît. Ah, je pouvais faire défiler. Ils ont changé. Il y avait un système. Il y avait un truc avec un nouveau joueur. Où tu pouvais recevoir plein de trucs. C'est bizarre, ça. Et en plus, j'espère que je l'ai enregistré sur l'autre vidéo. Ou que je parle pas. J'espère. Je vais voir. Mais non, non, comme je disais, c'est juste un petit événement assez agréable, assez simple à faire. N'importe quel niveau peut le faire. Heureusement qu'ils ont réglé le problème moteur de truc là. Pour le feu d'artifice. Sinon, il n'y a rien très exceptionnel, je trouve. Je sais pas s'il y a d'autres trucs à looter. Quoi, qu'est-ce, comment. Comme j'ai dit, il y a un petit touch in toc un peu partout. C'est assez agréable. Ça change un peu. Le seul truc, c'est que ce n'est pas littéralement partout. Hein. J'aurais bien voulu voir un genre de... Tu vois, les fameuses dragons, là, qui passent un peu partout. Et des choses comme ça. Mais bon, faut pas trop leur demander non plus. Hein. Mais... Moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est simple. Ça me casse pas la tête. Bon, moi, je suis pas intéressé par le sanglier, alors moi, je vais pas commencer à farmer pour voir le sanglier. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais voilà. Ouais. Il y a des petits trucs qui ont changé un peu à droite et à gauche. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé, et je trouvais ça assez gag. J'ai jamais fait attention. Vous voyez la fenêtre là-haut? Quand tu viens ici...
Et ça change en fait, parce que la vidéo que j'ai faite l'autre soir, c'était la femme qui parlait, c'était l'homme par terre. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je peux pas dire le mot bien sûr sur YouTube, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et si je retrouve le clip de la vidéo que j'ai faite ou l'autre vidéo que j'ai faite, je vais l'inclure dedans. Mais soit c'est maintenant, soit c'est pas du tout. Ça veut dire que je l'ai pas trouvé. Bah voilà, ça c'est le petit truc de l'événement. Comme j'ai dit, c'est agréable, c'est pas casse-tête, tous les niveaux peuvent le faire. Ils ont rectifié les bugs assez vite. Alors c'est chouette. Allez, sur ce, je vous aime énormément. Bisous, bisous.